Bonsoir à toutes et à tous, amateurs d'aventures, de voyages, amoureux des rencontres comme nous dans l'équipe de cette émission. Notre programme de ce soir est très varié, très éclectique, vous allez le voir, et va vous emmener un peu partout dans le monde, en passant bien sûr aussi par la France, et toujours sur les chemins de Faut pas rêver. Au Cameroun se déroule parfois une grande fête, étrange, belle et triste à la fois. Ce sont des funérailles, mais 8 ou 10 ans après la mort du défunt, pour le faire revenir parmi les vivants. Cette musique, c'était celle des Azous, ces jeunes provocateurs qui soignaient la fête et l'élégance à leur manière pendant la dernière guerre. Mais les années Azous semblent parfois ne pas être tout à fait terminées. Une expérience étonnante dans la banlieue de Bombay. Des enfants de moins de 12 ans qui, pour lutter contre la sous-médicalisation, deviennent de mini-docteurs, des enfants médecins au service de l'enfance. Voilà donc pour le programme de ce soir. Exactement au 105 rue du Faubourg du Temple, vraiment en plein Paris, et cette halte nous fait découvrir un univers un peu désuet, encore en noir et blanc, ou presque. Le palais du commerce, un monument hanté par d'étranges fantômes qui se réunissent sur un air de Java. Alors Yannick, le délicheur. Là, tu as Titus, la broque, Najette à côté, Maurice, la pâche, Régis, de l'amour du bel amour. Fait tour à tour, palpiter le palpitant ou bien claquer des dents. Mais voilà que depuis ce matin, pour un beau gars, à tel béguin, je l'ai vu et je l'ai reconnu. Oui, c'est lui, oh oui, c'est bien lui, l'homme de ma vie. C'est pas bon ça, monsieur, de tomber amoureux comme on tombe en angine tout fiévreux. En plein cœur de Belleville, le Progrès, le café de Monsieur Sadou, est l'annexe du Palais du Commerce. C'est aussi le repère des jeunes Azous d'aujourd'hui. Le vieux Belleville, pour moi, c'était les années 1930 et tout ça, où il y avait la convivialité, où il y avait la joie de vivre. Alors que maintenant, c'est plutôt morose. Et ça m'a fait plaisir de découvrir qu'il y a des jeunes qui recherchent le passé sans perdre de vue l'avenir. Yannick est à l'origine de la belle équipe des Azous. Explorateur du passé, dénicheur d'objets, découvreur de lieux oubliés. Yannick n'est pas un personnage de fiction. Tout comme Brigitte, sa compagne, il est d'une autre époque, l'époque des Azous. Les Azous ont vécu sous l'occupation. Ces jeunes provocateurs ont traversé la guerre en écoutant du swing et en dansant, avec un seul mot d'ordre, faites la fête, pas la guerre.
aussi, c'est mon petit salon où je mets mes petits azous, représentant toujours des gens en train de danser, le petit doigt en l'air. Et d'autant plus drôle que c'était pendant la guerre et que vraiment, est-ce pour signaler les bombes qui arrivent ou le ciel ou les anges, on ne sait pas, mais en tout cas, ça c'était le swing, et c'était une période formidable. Yannick n'est pas un collectionneur. Il aime les objets d'antan et il s'en sert. Chez lui, tout est d'époque. Même le téléphone qui date de 1937 et l'aspirateur de 1954. Des objets qui ont une valeur surtout de témoignage, d'une part, d'une époque. Et puis surtout, moi je crois que les objets parlent. La vérité des objets, la pureté des formes, de la matière. Et les objets anciens ont été tenus par plusieurs mains, aimés par plusieurs personnes. C'est pour ça qu'ils sont encore là parmi nous. C'est qu'ils ont été aimés et pas détruits. C'est pour ça que quand j'écoute un phonographe, 78 tours, il faut remonter la manivelle, il y a juste un morceau, il faut changer l'aiguille. Là, au moins, on apprécie le disque parce que c'est un travail, on le goûte un petit peu. Oui. À la nuit tombée, Belleville change de visage dans ce coin du quartier. Le palais du commerce commence à s'animer. La belle équipe silencieuse installe la buvette avant l'arrivée des forains. Ici, on organise une foire, la foire aux dénicheurs. Il y a un petit bar aussi, que moi j'y travaille d'ailleurs. Je suis barman. Il est vrai que je suis dans un rêve. Je suis dans quelque chose qui n'est plus, quoi, qui n'existe plus. Le palais du commerce et ses trésors enfouis. Vitraux, balustrades et arabesques de la belle époque témoignent encore de la beauté du lieu. Ici sont passés les plus grands, la Moum Piaf, Django Reinhardt et bien d'autres. Mais qui se souvient de la plus ancienne halle au commerce de Paris, autrefois pleine de vie, animée avec ses musiciens ambulants, ses julots, ses apaches et ses artisans. Aujourd'hui sans mémoire, sans passé, abandonnée, jusqu'à ce que Yannick ressuscite ce monument modeste en y installant une foire à l'ancienne. Et là, on est en train de recréer un peu l'esprit des marchés d'antan. On est vraiment ciblé des années 20 aux années 60, fin 60 maximum, hein, au dernier étage. Un lieu, ça peut être un cœur, quelque part, on peut faire la métaphore et c'est le faire revivre, le faire battre son cœur, comme il a certainement battu auparavant. Oh, ils songeaient le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne, traîne, partait. Oh, ils songeaient. Ils ont des pantalons d'une coupe inouïe qui arrivent un peu au-dessus des genoux. Et qu'il pleuve ou qu'il vente, ils ont un parapluie. On trouve tout à la foire aux dénicheurs, tout ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Un cousin zazou belge est même venu de Bruxelles pour y faire son marché. Je conduis des tramways à Bruxelles. Et puis en dehors de ça, je fais des claquettes aussi. Et je chine. Ici, vous avez la caverne d'Ali Baba. C'est la chasse au trésor, en même temps le plaisir de la découverte. Mais moi, je trouve qu'un bord plus large, ce serait oui, mieux. Oui, il faudrait les un grands. Un bord plus large, oui. Ben, ces vêtements, finalement, je les vends à des cinglés comme moi, qui les achètent et qui aiment... On aime les mêmes choses, en fait. On se retrouve entre nous pour acheter, effectivement, des choses qui nous plaisent, quoi. Titus est un dénicheur itinérant. Dans son sac à dos, il transporte son gagne-pain. De temps en temps, il s'accorde un peu de liberté et va même jusqu'à vendre des objets des années 60. Ah, génial! Enfin! Depuis le temps que je les attendais, que tu me les avais promis. Ça me rappelle vraiment quand j'étais petit que je portais le pyjama de Nicolas, j'avais le pyjama de Nicolas, rayé bleu ciel et blanc, avec le petit N. C'est toute mon enfance, et mon enfance, je l'ai passée à l'étranger, et pour moi, c'était un repère, pour moi, c'était la France, ma prenelle et Nicolas. «
amour, il ne faut pas me laisser. Bérénice est swing. Ne lui dites surtout pas qu'elle est Zazou. Elle est swing de la tête aux pieds. Le jour comme la nuit. Nous, on est amoureux de nos fringues. On est vraiment amoureux de ce qu'on porte. Si on achète, c'est parce que ça rentre dans notre garde-robe. Et c'est toute une histoire. Il y a 50 ans d'histoire avec ce vêtement. Et un jour, on l'a entre les mains. Et obligatoirement, c'est extraordinaire parce qu'on peut, presque s'identifier, si vous voulez. Du coup, on va revoir toi. À la moindre occasion, Monsieur Sadou quitte son café pour faire sa tournée des stands. Ah, c'est bien gentil. Oh là là, voilà quelque chose qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Surtout mon enfance à Alger. Rêve d'or. Ah, la brillantine. La brillantine. La petite pivert, Pompeia. Et surtout rêve d'or. Je retrouve le même parfum qu'avant, identique. À la différence, j'ai 40 ans de plus. Et la brillantine est restée la même. Si tu aimes bien Laurent. Bien, nos amis de Marseille. Comment ça va? Trois niveaux, trois façons différentes de chiner et peut-être de vivre. En bas, chez les marchands, le commerce va bon train. Alors que dans les étages supérieurs, le ton est à la fête. On chante, on danse, on flirte, on fait du troc et on drague. Comme Titus, qui préfère le premier étage, royaume des Zazou artistes. Année 30, mais tu travailles ? Oui. Ça ne te reste pas non plus ? Non, pour aller danser. C'est pas facile hein, quand même, hein, parce que ces demoiselles sont 50 et là je suis habillé 40. Alors donc c'est... on n'est pas sur la même longueur d'onde. Elles sont sensibles quand même au charme des hommes. Enfin, c'est vrai. C'est vrai que ma pile, elle doit être usée, hein, parce qu'il y a le petit bitonio. Au dernier étage, c'est parfois la vie de bohème, avec ses marginaux, ceux qui dévalisent les greniers, ou encore ceux qui récupèrent d'étranges objets dans les poubelles, comme Philippe, ancien SDF. Les gens d'en bas, c'est pas le même milieu, c'est plus marchands, et marchands, ils restent entre eux. Pour moi, les vrais Zazou sont au deuxième étage, et j'en fais partie, et j'en suis fier. On se sent un peu comme d'un petit village. C'est très convivial. Santé à tous les petits amis français. Voilà. À tous les bons voisins de palier. Voilà. Troisième et dernier jour de la foire, on remballe le cœur en peine. Certains ont tout vendu, d'autres rien. Mais qu'importe ici, dans ce lieu où les souvenirs revivent à travers les objets, on a fait aussi des rencontres d'homme à homme. Des liens se créent entre les générations. Maurice Lapache, l'enfant de la rue, a croisé le chemin de M. Boutonnet, un ancien du quartier. Là, c'est vous, là, c'est Dominique. Alors, violon, c'est Adrien. Ouais, c'est des choses qu'on ne verra plus, qui n'existent plus aujourd'hui, et qu'on peut revivre à sa manière en appréciant les choses d'hier, en rencontrant ces personnes qui nous apportent leur vie à eux, quoi, leur passé, leur mémoire, ce qu'eux ont réellement vécu. J'ai plus 84 balais, j'en ai autant que eux. C'est comme si j'étais à cette époque-là, en leur voyant comme ça, habillé un peu comme ça. C'est comme si je me retrouvais à cette époque-là. Alors ça me fait du bien, ça me rappelle un tas de machin. Je suis capable d'en rêver cette nuit. Quoi. Nous les paumés, on ne sommes pas aimés. Des bons, les bons joueurs qui nagent dans la joie. Il faut avoir pour être à leur bout. Un beau focole et un chapeau mou. Un mauvais garçon, il y a des façons. Pas très catholique, on a peur de lui. Quand on le rencontre la nuit. Du dégât, il faut qu'il est technique. Mais il n'y a pas mieux pour donner le grand frisson qu'un mauvais garçon. Depuis la